tous les bâtiments privés de visite. Et on montrait le doigt, c'est qui? Quand leur visite, comme leur visiteur arrivait, on dit non, c'est le politique qui est là-bas qui a bloqué les. Voilà. C'est un coup monté. Et je t'ai dit, mon président, c'est que moi, je peux te dire, cette partie, comme on dit, c'est des appels. Tu vois. Ouais. Cette partie, ça va finir sans même que MMU se rencontre. ouais Parce que c'est une pièce. Tu vois. ouais Et en plus, pour eux aussi, ça sert à une immigration, que tu sors comme ça ou soit tu t'en sors comme ça. exactement Tu vois, non? Mais à quelle époque Dieu qui peut nous sauver dans tout ce narme-là? merci Même moi, mon père, il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit, je comprends rien. Pourquoi tu me tiens toujours là-bas? J'ai dit, papa, parce qu'on m'a mis un quitté ou que moi-même, je comprends rien. Tu vois pas? merci Et puis, moi-même, on m'a mis un quitté, mais là, j'ai tout contesté dans un rendez-vous en mois de novembre. Tu vois ce que je veux dire? Mais vu que tu es un petit preneur, bon, ouais. Ici, de toute façon, c'est le plus. Tu sortiras, Omar. Tu sortiras. On va se voir, mon frère. Moi, j'aime t'appeler mon marabout parce que tu as eu à me dire beaucoup de choses, même de ma vie. J'ai dit, ce monsieur-là n'est pas clair. Bon. Courage à toi, mon frère. Courage à toi. On est avec toi. Les Congolais te soutiennent. Les Congolais croient aussi à ta sortie. Que je leur présente en live. Omar est là. Il y a aussi Karim. Merci. 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 Je te jure, même la dame, même moi-même, j'étais en train de parler, je ne sais pas ce qu'elle était en train de dire. Merci. T'as vu ou pas? Parce qu'ils ont mis trois ton histoire. Une fois qu'ils t'ont ramené ici, ils ont fait une grosse bêtise, une grosse erreur. Parce qu'on ne peut pas envoyer, on peut pas dire qu'on va envoyer quelqu'un dans son pays avec vous savez que là, depuis, comment ça s'appelle, à l'aéroport, cette personne, on peut l'assassiner. Ouais. Tu vois ou pas? Tout à fait. Les gens viennent ici déjà parce qu'ils ont des problèmes avec leurs dirigeants qui sont là-bas. Là. Pour venir se casser ici. Exactement. Les gars qui se cassent ici, vous voulez que lui, il aille dans son. C'est pour tout pour dire ça. Merci. Il faut être fou. Hein? Merci. Ils ne sont pas que fous, ils sont malades. Ils sont malades en plus, ils sont fous. Merci Omar, on va pouvoir couper là. Omar, je finis là, je te rappelle, on va bien parler, mon marabout. Merci mon frère, merci, merci, merci. Chers amis, vous savez, parce que c'est mon avocat qui était fou. C'est-à-dire, oh mon Dieu. Vous savez, la personne que moi je te disais à Blanche, on devait expulser le Togolais. Son avocat aussi a fait un scandale grave. On s'est retrouvé là-bas. Bah oui. Bah oui. Mais malheureusement, lui, on l'a fait. On l'a refusé de le faire sortir, le Togolais. Parce que là, c'était du dur. Mon quoi? C'était du dur. Bonsoir, Tata Jevon. Bonsoir, Ken Koundé. Ngando. C'était du dur. Je vais appeler le Togolais. Moi, j'ai rien à vous cacher, chers amis. Tout va se savoir. J'ai rien. Ma vie n'a pas tout baro à tiens la Libanda. J'ai rien à vous cacher. Ceux qui cachent des trucs, c'est parce qu'ils sont complets. En fait, ils ont leur des trucs qu'ils font de gauche à droite. Moi, j'ai rien à vous cacher. Voilà. J'ai rien. Yarobombe Labino. Yarobombe Labino Togolais, qu'on devait expulser le même jour. Même convocation avec moi. Pareil à la préfecture. J'ai rien à vous cacher. Même hier, vous savez ce qu'ils ont dit à sa femme? Donc, tous les visiteurs, hein, tous les visiteurs, au Bango, c'est à cause du politique là. Le monsieur politique. Donc, Bango, tout benga. Bah, bâtiment, monsieur, tu as un ami, tu as besoin de coûter la bande là, tu as poussé ou quoi? Et puis, elle va me dire non, ne dis pas, non, ne dis pas. C'est comme ça que vous tuez les gens. Vous l'isolez, vous savez, ce que vous isolez. Azana passe, y a bomba passe. N'est-ce pas parfait qu'on est là? Bah, Marc Mapingu, Azana passe, bah, vous savez, la même tête, quand tu as foyer, non. Ils ont Simba na moi cité, Vandaka na moi siango, Vandaka na moi siango. Ils ont Simba li sous-souté. Hein?
Bonsoir, oncle Jean-Claude. Et je suis battu. La tienne, on a téléphone à Boloko. Bon, des mafieux. On te dit non, ne dis pas, ne dis pas. Vous voyez que vos intérêts. Allô, Omar? Oui, Omar? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah ouais, non, mais je te rappelle tout de suite, tu me l'expliques. Parce que je suis encore en direct là, vite fait, t'inquiète pas. Ça va se passer comme ça, chers amis. Nanel Kamba Bombati. Ouais. Oh non, ça, il faut pas dire. Nini Naoyo qui la sonne. Nini Naoyo qui la sonne. N'importe quoi. Va bomo na ndenga ko bombana. Ba misusu ba tindi ba ona misio loba na ye asa la boite loba na ye asa la boite. Ba kantinga na tente na bango. Ba bomanga na ko bombana. On dit, qu'est-ce que je fais là? Les Congolais doivent savoir ce qui se passe réellement. Comment on assassine des gens tranquillement? Comment on complote contre les gens tranquillement? Ah oui. Ah oui. Obima boy problème. Ok, n'est pas bon, on problème. Partout. Que les gens ne doivent pas savoir. Non, faut pas parler, faut pas beaucoup parler. Bah, tu vas bien dans le. Allô? 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 Je suis tombé sur le répondeur. Qu'il y ait des témoins, les vidéos là vont rester. Au moins de faux pas, les Congolais, au moins, Bazalana, vrai, vrai Nignoyo, vraie version. Ah oui! Les Congolais auront la vraie version. Non, il n'est pas au Togo. Lui aussi, ça va quand même. On va bloquer cette situation. Ma soeur Carole. Là, comme les messages. Vous savez à combien des Africains? Tout cela va finir. Il faut qu'on dénonce, chers amis. Ben voilà. Il faut qu'on dénonce. Imaginez Bateau Bazana Batoté. Comment ils font? Comment ils font? Mon ami la Togolais, il y a Tikali. Parce que peut-être, il y a un avocat. Mais avocat, il y a peut-être un dingue moroté. Et il y a une mobilisation, il y a un dingue moroté. Moi, ça m'a sauvé. Et ce qui signifie, il y en a combien qui souffrent là-bas? Ouais, mon ami. Oh, c'est comment le Togolais, Farid? Ça va? Oh, ça va, mon frère. Moi, je suis en ligne là. Il y a plus de 500 personnes qui nous suivent là. Les compatriotes, je suis en train de leur expliquer notre histoire depuis. Oh là là, ça a coupé. Attendez là. Hein? Il faut qu'on dénonce, chers amis.
Vous imaginez? Ah, il me rappelle. Il faut qu'on dénonce. J'étais appelé fatigué. Ah ouais? Ouais. Farid, Farid, il y a plus de 500 Congolais qui te suivent là en direct. Je suis en train de leur expliquer notre histoire. Quand on nous a envoyé à Bobigny, oh là là. Vous voyez, ça commence à couper mes appels comme ça. Ça coupe maintenant mes appels comme ça. Comme ça, ça coupe. Ça coupe. Ils n'aiment pas la vérité. Pourriture. Où nous allons dialoguer, nous allons négocier, nous allons parler sur les vraies problématiques du pays. Où moi je veux continuer à vous dénoncer. Allô Farid? Ah non, tu as bien lutté, hein. Tu as lutté, c'est très bien ça. Tu as bien lutté. Merci Farid. J'ai eu peur, hein. Tu as bouleversé même la rétention là-bas. La rétention, hein. Ah ouais, tu as bien, franchement, tu es un bon leader. Ils ont confirmé. Ils ont confirmé, hein. Ah, ils ont confirmé. Merci. Ils ont confirmé. Ouais, de toute façon, moi je suis dehors là. Ah, t'es dehors. Oh non, non, Farid, on doit se voir. Okay. Bon Farid, moi je veux que les Congolais t'écoutent parce que j'avais dit, je m'inquiétais, j'ai dit mon ami Togolais, on l'a expulsé tout et tout. Donc, explique un peu, donne un peu s'il te plaît pour les compatriotes du Congo Brazzaville qui te suivent, Farid. Explique un peu notre histoire commune qu'on a vécue ensemble là, s'il te plaît, Farid. Non, mais c'était n'importe quoi, c'était un guet-apens. Ils ont tatoué un guet-apens. On en est sorti. C'était un guet-apens. Nous, on avait nos papiers. On était partis pour revenir. Puis, bon, ils ont tatoué un guet-apens. Exactement. Apparemment, ils ont dit que tu as lancé un conseil monotone sur l'ambassade. Ouais. Ouais. Alors que l'affaire, ça a été déjà jugé, c'est passé, je paye les amendes. Bon, Farid, ouais. Farid, qu'est-ce qu'ils ont dit à ta femme par rapport aux visites? Qui a bloqué des visites? C'est toi? Par rapport à quoi? Hein? Ils t'ont. Non, mais je dis que tu as bloqué le site. C'est qui est normal, hein, par rapport à tes revendications? Plein de gens qui viennent chez toi là-bas. Tu as bloqué, et puis bon, et puis ton avocat aussi était bon, hein? Ah. T'es un bon avocat, hein? Une bonne avocate, pardon. Merci Farid. Mais en tout cas, mon frère, Dieu merci, parce que tu m'avais dit qu'ils avaient refusé, donc vous avez fait appel, c'est ça, ce que j'ai compris. Fait appel, voilà. D'accord. Donc, avec Farid, on a eu le même cas. Il a pratiquement fait sa vie ici, à Koli Awa. Sa mère même, il a enterré sa mère ici. C'est fou. Il a un enfant qui est à l'université. Il a sa femme, ils vivent ensemble. 22 ans de vie commune. Mais c'est fou, chers amis. Et vous ne voulez pas qu'on puisse dénoncer ce préfet? Attendez. Oh non, ça, mon frère. Bon, bon courage, mange bien mon frère. Voilà, vous entendez des témoignages? Et moi, ils ont fait ça 4 ans. Je vais pouvoir laisser là, il y a quelqu'un qui veut monter là. Je vais laisser la personne puisse intervenir vite fait, puis je vais couper le direct. Merci. Je prends la personne. Ceux qui veulent monter, vous montez, vous donnez votre témoignage, vous dites ce que vous avez à dire, et puis nous allons couper le direct. Merci. Donc, ministre Breton, je te prends. Tu peux prendre la parole, ministre Breton. Kamata, je te prends. Ministre Breton. Ok, ministre Breton. Kamata, à toi la parole. Bonjour, bonjour, Faye. Bonjour, mon cher. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais, mon frère, tu sais, moi, je te connais pas. Ouais. Je te connais pas et je t'ai connu indirectement au pays. Ok. Mais quand on a annoncé que tu étais arrêté, ouais. C'est peut-être la deuxième fois dans ma vie que je prends la parole pour parler du Congo. Merci. Donc nous, on fait partie des gens qui restent dans toujours dans le noir. Mais j'ai quand même fait une pétition pour que les gens se prononcent pour ta sortie. Merci, mon frère. On a appelé tout le monde, mais je vais te demander une chose. Oui, frère. S'il te plaît. Oui, frère. S'il te plaît. Vas-y, mon frère, je t'écoute. Il y a beaucoup de Sénégalais. J'étais dans des groupes de Sénégalais. Des gens qui parlent Wolof. Des gens qui se sont mobilisés, qui ont fait des vidéos, qui ont parlé dans leur groupe de toi. Énormément d'Africains. Merci. Merci. Donc, s'il te plaît, fais une vidéo en français.
pour remercier tous les Africains, les autres communautés africaines qui se sont battues. Vraiment, ce serait bien. Merci, frangin. Donc, tu me laisses ton numéro WhatsApp, je le ferai, puis je te l'envoie. Merci, je t'envoie sur un inbox. Merci beaucoup, vraiment, parce que c'est des femmes. Il y a des femmes qui ont pleuré sur les lives. Merci. Ah, mais Sénégal, des Sénégalais, je me suis dit, ah, parce qu'ils se sont dit, non, 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 ils ont relayé. Tu vois? Vraiment, c'est une bonne chose. Courage à toi, je t'envoie mon WhatsApp. Merci, mon frère. Pouvoir envoyer Merci. la vidéo, je vais leur montrer que tu as été réactif, quoi. C'est bien. Merci. Je le ferai, mon frère, je le ferai. Merci. Je n'oublie pas, je le ferai. Ok. Ok. Merci, merci, Fab. De Allez, rien. bonne soirée. Bonne soirée. Fatim, à toi la parole. Fatim. Fatim. Eh. Mon Mathieu, je vais battre Matina direct. Hein? Bon. Yao, à toi la parole. Tu peux activer ton micro, puis je vais couper. Je fais descendre Fatim. Oui. Ok, bon. Bref, on va pouvoir couper le live. Merci en tout cas. Merci à tout le monde. Je vais pouvoir couper le live. Merci et bonne soirée. Fallait qu'on parle. Fallait qu'on dénonce. Voilà, encore les démons. Oh là là. Oh là là. Combien? 5 demandes. Ok, on va les prendre vite fait. Puis on va couper le live. André Kunku, je te prends. Vous allez m'excuser, ceux de TikTok. On va prendre André Kunku qui a envoyé vers Facebook. Bloquez juste les micros quand vous montez. Bloquez juste les micros quand vous montez. On va prendre André Kunku côté Facebook. Et puis, on va laisser la parole à ceux qui sont sur TikTok. Écoute. Attendez, chers amis, on prend André Kunku côté Facebook vite. Après, nous allons pouvoir couper. André Kunku, on t'écoute. Oui, bonsoir Faye, vous m'entendez? On t'entend parfaitement, mon frère André Kunku. Ok, avant tout, en tout cas, je bénis d'abord Dieu Tout-Puissant pour sa manifestation par rapport à ta libération. Merci, Amen. Pour ma part, je vais seulement remercier via la vidéo Jacques Okuya, Jax Okuya, qui s'est aussi mobilisé sur la place de Bruxelles par Merci, merci rapport pour à lui. cette situation. Et pour ma part, en tout cas, bon, j'aime pas trop me prononcer sur l'espace public qui ne m'appartient pas, mais en tant que Congolais, il était de mon devoir de citoyen de mobiliser en tout cas nos amis européens par rapport à cette situation et on bénit le Tout-Puissant en tout cas pour la liberté qui a été accordée à ta faveur et on espère en tout cas pour les perspectives à venir travailler ensemble dans la cohésion pour répondre en tout cas aux attentes voilà, de nos compatriotes au Congo parce que nous militons tous pour la même cause, notre peuple. Exactement. Merci mon frère, merci mon frère. Bien de choses à toi, en tout cas, que Dieu te préserve et on ensemble. Merci mon frère, merci en tout cas, merci. Et merci à Jacques Okuya, merci à tous ceux-là qui ont mobilisé. Chers amis, je peux oublier les noms, donc du coup, veuillez m'excuser, mais merci à tout le monde, merci à la diaspora, merci à ceux du pays. Merci à Médé, Delo, merci à tout le monde, hein, parce que vous avez vu notre tout dans nos cités. Si on a Bossani, vous vous rappelez, on a TikTok, on a Facebook, un tel a mobilisé ici, un tel. Vraiment, merci Nabino tout. Merci, Allez, vous vous rappelez. excellente soirée en tout cas et le combat Le continue combat on continue. ensemble. Ingeta. Voilà. Au merci. revoir. Au revoir. Bon, on laisse côté Facebook. Attendez, hop. Ok. Côté TikTok, Charlemagne, tu peux prendre la parole, mon frère, tu peux activer ton micro. Bonsoir, mon frère Charlemagne. Moi, je viens me joindre à tous ceux qui ont essayé pour moi. C'est vrai que, en tout cas,
dire, mais la personne qui a subi, c'est toi. Vraiment, tout le peuple congolais, partout, ceux qui ont le congolais là, sont derrière toi. Merci. Voyons que bon Dieu sait ce qu'il fait. Chaque chose a son temps. Merci. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Croyons fermement que tu ne sèmes pas sur le sable. Amen. Parce que quand on sème sur le sable, on n'a pas de chance même pour 1% de récolter quelque chose. Mais tu sèmes sur une terre fertile, parce que même tes ancêtres, y compris le bon Dieu, est derrière ce mouvement-là. Merci. Donc, va de l'avant, va de l'avant, nous sommes là, on t'insiste, on apportera la pierre sur l'édifice. Merci, mon ami Charlemagne. Merci en tout cas. Merci pour ta contribution. Merci pour ta prise de parole. Merci. Amen. Amen. C'est grâce à vous, c'est vos forces à vous qui ont fait ce que qu'on nous libère, hein, chers amis. Ça, on ne peut pas oublier. Merci, Charlemagne. À vous la parole, mon cher Afrique, mon combat. Tu peux activer ton micro. Afrique, mon combat, tu peux activer ton micro, mon frère. Afrique, mon combat, tu peux activer ton micro, mon frère. Salut, chef. Comment vous allez? Ça va très bien. Et je suis votre abonné. Et je m'appelle Sifa. Ah ouais. Et donc, je vous suis il y a longtemps. Et lorsque c'est que vous avez eu un problème, apparemment c'était trop injuste. Donc c'est normal qu'on puisse dénoncer ce qui se passe dans nos pays. Parce que ça a tout duré. Exactement. Et lorsque nous avons appris, on a arrêté, ça nous a fait très mal. Exactement. Moi je suis en Occident. Je suis précisément aux États-Unis. Mais apparemment, ça fait quand même longtemps que je suis ici. Je lui dis ce qui est vrai. Il y a beaucoup de Congolais qui sont là, qui me suivent. Apparemment, ça ne me plaît pas de rester en Occident. Donc, c'est notre souhait à nous tous. Un jour, nos pays puissent s'améliorer des conditions. On puisse rentrer dans nos pays et travailler. Exactement. Donc, lorsque je t'ai vu sur live, directement je suis rentré et j'ai dépassé ma demande malgré que tu es arrivé à la fin. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, peut-être prochainement. Mais je dis d'abord Dieu merci de ta libération. Merci. Et je félicite aussi, merci aussi à tous les Congolais aussi qui ont contribué, qui ont soutenu aussi par les prières aussi. Et ça vient juste de commencer. Exactement. Et nous allons arriver jusqu'au bout. Exactement. Et vraiment, ça nous fait un grand plaisir que on t'a vu encore sur live aujourd'hui. Vraiment, tu as tout mon soutien. Merci. Tu as tout mon soutien. Donc, s'il y a un problème, s'il y a des trucs qu'il faut faire, des camions, tout quoi, nous sommes là. Merci. Nous allons verser. S'il y a une idée à donner, nous sommes là, nous allons soutenir, mon frère. Merci. Merci. On ne laisse pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas. On doit les presser jusqu'à fond. Ils doivent céder, ils doivent partir. Exactement. C'est trop. Donc, je crois qu'on est temps, c'est tout à la fin. Et merci à toi, vraiment, merci beaucoup pour lever les consciences que tu es en train de faire. Parce que moi, normalement, je suis beaucoup aussi les lives de nos amis d'Afrique de l'Ouest. En tout cas, non. Ils sont en avance. Donc, nous aussi, on doit allumer et continuer vraiment. Pas seulement. Et merci beaucoup. Et je salue tout le monde qui est dans le panel aussi. Merci. Et peut-être à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci. Merci.
Ryan, à toi la parole. Ryan Emmanuel, à toi la parole. Ryan, à toi la parole. Oh, miel poupette. Ryan Emmanuel, à toi la parole. Tu peux activer ton micro, je t'envoie l'invitation, tu actives ton micro. Bon, on passe. Miel poupette, tu peux activer ton micro. Bonsoir. Amen. Très, très dur. Merci à lui, en tout cas, Terre Noire, il fait un excellent travail avec toutes ses équipes qu'il gère en bas. Ah, grave, ça c'est un frère. C'est un frère. Et des sœurs aussi. Merci. Exactement. Exactement. Et le mal. Merci, monsieur. Je suis rentrée chez moi, j'ai renversé le vin et j'ai parlé au nom de tous les Congolais. Tous les êtres de
l'avenir de notre pays. Levez-vous pour cette comptable. Ce sont les frères de mon frère, mon grand esprit. Merci. J'ai dit que les ancêtres, les êtres de lumière de notre pays, amen. Et les êtres de lumière de cette terre trouvant qui est la force. J'adore ces êtres de lumière. Tous ces enfants sont nés la terre de ces enfants. Les combattre pour ce faire. Merci. Je vais partir. Je vais le parler. Mais combien de chances pour moi. Quel que soit ce combat prévu. Si je le déclare, je ne suis pas en train. Mais je le déclare que tout qui. Amen. J'ai déjà prié et j'ai la foi que ce frère ne va pas sortir. J'ai encore un vélo. Vous allez savoir comment ça se passe. J'ai que lui, disons, il a tué et tout, c'est pas sûr. Soit je rentre chez moi, je remercie le monde, je vais payer en fait une étoile. J'ai dit que je veux pas au nom de ce frère. J'ai renversé le vent, j'ai dit qu'il ne va pas sortir. J'ai des gens avec qui je fais des méditations. On a discuté sur ça. Après, je dirais que les Congolais doivent savoir que nous sommes dans un pays de dictature et que juste à présent, il veut vraiment la tête sur l'assiette. C'est mon pays. Il veut la tête sur l'assiette. Mais sauf que le problème est que sur terre, chacun de je le dis de tous les Congolais, Dieu offre un grand esprit en toi. Et quand tu conçois, tu ne te connais pas. Et ils savent pourquoi ils veulent te combattre. Il y a plein de choses en disant dans la vie. Un malheur, quelquefois, il est bien. Très bien. Alors que tu as su, derrière le dressage de retour, il y a des choses qui vont se passer très vite. Merci. Certaines êtres de l'accompagnement, parce que les êtres de lumière sont avec toi. Les êtres de lumière, ce sont les enceintes. Parce que Dieu est en toi. Merci. Et ces êtres de lumière vont t'accompagner, qui ont tout ce qui est prêt. Merci. Je ne pourrais pas dire mon nom. On parlera, ma soeur, t'inquiète. Merci, bah. Il faut remercier aussi les équipes qui sont derrière Terre Noire. Il y a des sœurs aussi qui sont derrière. Voilà. Merci à tout le monde. Merci en tout cas à tous les Congolais. Grâce à vos prières, grâce à votre mobilisation, grâce à vous, grâce à votre vigilance que on est en train de parler là. Sinon, j'allais peut-être me retrouver comme tu l'as dit. D'ailleurs, je vais chercher un peu l'audio là pour vous mettre mon rêve et le rêve du neveu de Donald. Vous aurez des chairs de poule, mais de ouf. Voilà. Merci en tout cas. Merci, Miel Poupette. On s'appelle. Miel, est-ce que toi tu vas me parler de toi, chouette? Babchi, what? Merci. Ok. Devoir sacré à toi la parole, frangin. Oui, pardon. Attends, mon frère. Mon frère, si mon coquin commis encore là-bas, n'a bimi mon coquin a dit moi mon pépé, bien qu'ils ont comploté le sou, ça va. Il faut qu'il ait le moral. Très bien.
Essence. Après, j'ai suivi, j'ai suivi. Ouais. En fait, c'est... Comment laisse-le là? Je reconnais qu'il y avait un bouquin, il y avait Siré, en tout cas, c'est juste ce qu'on voulait, il y a quelques bouquins, c'est son crise, Anto, on me parle aussi d'Anto. Anto Nguesso, c'est ça, non? Anto Nela, je pense. Exactement. Eh bien. Merci Sylvie Chantal et Couche d'or. Merci. Mettez-nous les noms à citer parce que nous, on n'a pas. Monsieur Tonga Motena, où tu viens? Fille capable aussi. Fille capable. Zip zip. Mamba, d'accord. Ouais. Ça va, mes enfants? Ouais. Enlevez vos chaussures là-bas. Exactement. C'est ton grand frère, c'est pas ton ami. Enlevez vos chaussures. Comment tu l'enlèves le chiffre? Enlevez le Sois pour toi de couper de voix sacrée. De voix sacrée, sois pour toi de couper. Yakos, Yakos, on n'a pas oublié l'unique. Voilà pourquoi on aimerait dire, même il y a David Cavet, tout ce monde qui ont fait des vidéos, même j'ai vu le vieux Sabi Kouti. En tout cas, merci à tout le monde. Parce que si on commence à double clic, si on commence à citer les noms, on oublie, demain ils vont nous rappeler. Donc, oh, les enfants. Oui, ma fille. Hein? Merci. Merci à tout le monde, à Donald, à la modeuse, à tout le monde. Charlène Binzika, Chris Kouti, Nadège Pondi, Nadège Mavungu, Maman Nicole. Tout le monde, merci à vous. Tout le monde, merci à vous. Sinon, tu reçois la dédicace. Il y a... Ah, c'est bon, là, s'il te plaît, je suis direct là. Oh là là. Alors... Merci à Paris, merci à Paris. Mais lui, quand même, il l'a à chaque fois. Allez-y, Gis. Gis, ce soir, cette soir, ce soir. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allez, mon amant. Bonsoir, Gis. Bonsoir, les amis qui sont sur le panel. Vraiment, mon frère, moi, j'ai passé plus de 4 jours depuis le premier jour que Terre Noire avait commencé avec les lives. Jusqu'à ce qu'ils ont.
instaurer la cagnotte. Pas toujours, je dormais tout tard. Parce que je voulais Merci de Colondrie, Sir Makoso, Christian Perrin, la radio des États-Unis. Ouais, voilà, Aristide Mobeb ici, tout le monde. Ça va faire une vidéo aussi, donc voilà. Mais ce qui m'intrigue ici, là, mon frère, est mon père. Pas mon amant. Pour le moment, c'est pas ça. Pas sympa. Parce que quand on est à l'étranger, on doit montrer là. Nous, les frères, ils sont là, ils tenir. Ils aillent, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont français encore trois de temps. Quand déjà quelqu'un est trois de temps, nous en pensons à la personne, en train de faire des vidéos, en train de chambres, les champagnes, 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 merci à Braza News, merci à David Cavé. En tout cas, on le vrai, parce que déjà ça prouve que tu as les bénéfices du monde, mais tu es le vrai. Déjà, on te suit là, on te met dans un compte. Donc, l'histoire, voilà. Ça montre que la montre, c'est cela que, dans un d'ailleurs, mon frère, tu as toutes les bénédictions contre ce combat, soit pour le vrai. Merci. On peut pas aussi, même si vous les autres qui sont même au moins, bien, vous allez avoir plus. Pour nous, ceux qui sont mis en Afrique, on a fait qu'on souffre. Et bien, en Afrique, on a fait qu'on souffre. Parce que pour quelques 3 000 euros, 3 000 euros, c'est malheureux. Et puis, aux autres, ils travaillent pas du tout. Mais non. Mais bon, mon frère, Faye, continue. On se compte, continue. Pour que Dieu te protège. Ceux qui sont derrière toi, mais. Merci. Merci en tout cas. Merci la famille. Merci mon frère. Il sera à toi la parole. Par contre, je vais te faire descendre mon cher qui a déjà parlé pour que les autres aussi montent. Merci, Jésus. Merci. Il sera, tu peux activer le micro. Dès qu'on te met en grand, tu prends la parole. Bon, la personne n'est pas là. Manu, Dada Manu, on te met là. Bonsoir, mon frère. Bonsoir David Kavé. Que demandez-le, que demandez-le. Merci maman Yolom.
Merci, Guillaume. Bonsoir, Kemps. Bon, téléphone. Merci. Merci, papa Manon. Merci en tout cas. Ok. Non, ensemble. Merci, papa Manon. Merci. Merci. Bon, là, on quitte ça, Pour que tu aies ta live, Mbango, parce que là. Ok. Merci, papa Manon. Merci. Gildas. Gildas, tu peux activer ton micro, mon frère. Bonsoir, mon frère. D'accord. D'accord. Ah, ok, ouais. Ouais, on a gagné chez Nek, on a gagné Kingo. On est pour ça. Ouais. Non, je ne connais pas. Aucune idée. D'accord.
Oui. Ah ouais. D'accord. 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 Ouais, certains qui. Ah ouais, papa, la situation à Papa Naï, des trucs un peu comme ça. Ouais. D'accord. Il faut tous être très prudent et tout par les amis qui me font tous à la base unie, ma génération au lieu de sa intervention, affronter par la mêlée à propre et à diplomatique. Tout à fait. Donc là, qui s'y coupe, qui est la première loi. Exactement. Exactement. Merci. D'accord. Ok, David, David, tu peux prendre la parole. Avant David d'appeler son parole, tu peux sa maman, s'il vous plaît. Maman Matisse a déjà parole. Et puis David, tu as déjà parole. Bon, excusez-moi, tu peux sa maman parole. Maman, tu peux activer ton micro, maman Matisse. Ah, maman Eugénie, ok, d'accord. Donc, tu sais qu'à combat, on tient en a. Ok, maman Eugénie, tu peux dire. Pour s'il te plaît, ferme d'abord, s'il te plaît. Ok, le nom. D'accord. Merci, maman. Amen. 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 Exactement. Amen. Amen. Merci maman, merci maman. Zamba batte la bino. Vous avez vu ce que ma pamboli parce que nous avons vous avez protection la biso, bino motoza bénédiction la biso donc bino motobo simbi biso donc ce bino au lobani au salama. Merci maman, on va prier na bino. Merci maman. Amen. Amen, amen, amen. Merci maman. Bonne soirée, merci. David Pavet, tu peux prendre la parole. Merci, Yossou, merci. Tu vas prendre. Bonsoir. David Pavet, il y a ma camote, le vélo, ma moto, comme une dénine. J'étais ça. Tu vois, je suis étonné. D'abord, on regarde le temps, on a un compte. On a bien fait un compte, on a fait un compte, on te quitte. En tout cas, je suis content, frère. Je suis vraiment heureux de savoir que tu es télémi, mon oromoko. Toujours, mon oromoko. Voilà, point à bien social, à bisous, tout quoi. Ouais. Donc, merci en tout cas. Merci, David Carnet. Donc, tu dis que l'homme à l'homme. Ok, donc d'accord. Bien sûr, à toi la parole, Frangin. Oui. Ok, vas-y, pardon. Bien sûr, vas-y. Bien sûr, à toi la parole. Mote, bien sûr. Makasi. C'est encore
Bien sûr, apparemment tu as un problème. Hein. Bon, Capes, tu prends la parole. Et puis bien sûr, on va monter après. Merci Nupi pour les cadeaux. Capes, active ton micro. Bon, bonsoir. Merci mon frère. Exactement. Merci Kemps. Merci Love Ligracia. Merci. Merci frère, merci mon frère, merci. Surtout ma femme aussi parce que t'as la gaga. Dans la cité été, ça l'a fait moi bien. Diat Fred service à toi mon frère. Bonjour mon frère. D'accord.